Comme d'hab, je suis à vous, je fais vite fait mes stories. Tac. Tac. J'ai eu peur, ça buguait l'espace un instant. Alors, qu'est-ce qui me fait le débit là? Bon, ici j'ai aucun problème, je suppose qu'il me fait Twitch, bon, c'est pas grave. On va refresh la page. Ah voilà, c'est mieux. On va récupérer l'URL. Et cette fois, j'ai pas oublié mon micro comme un boulet. Tac. Tac. Ça, c'est fait. Faut que je lance le mode pack encore. Parce que là, j'ai fait ça, j'ai lancé là à l'arrache d'un coup. Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on va continuer Mystical Block. Ah. CurseForge qui me fait une mise à jour. Ok. Donc du coup, la dernière fois, j'ai travaillé sur l'énergie, parce qu'il fallait absolument avoir plus d'énergie pour pouvoir faire fonctionner Refind et tout ça. J'ai des panneaux solaires de tier 8, parce que j'en ai chié à mort pour me faire l'Ender Dragon, qui était ultra vénère. Qu'est-ce que j'ai fait? L'optimisation, tout simplement. Mais je me demande si je vais quand même pas partir sur Applied. Parce qu'en vrai, même si ils mettent en avant Refine dans ce mode pack, Applied, il est quand même 10 fois plus pratique, ne serait-ce que par rapport à Powa, si je veux automatiser les gates et tout ça. Ce sera quand même beaucoup plus sympa. Donc ouais, je me demande si je vais pas faire ça. En vrai. Allez, lance-toi, Modpack, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Lance-toi, lance-toi. Bon, j'espère que j'aurai pas le même souci que j'ai eu l'autre fois avec les musiques. Là, il a l'air de les prendre. J'ai dû allouer de la RAM supplémentaire au mode pack aussi parce que il laguait un petit peu. Allez, lance-toi, mode pack, lance-toi, fais plaisir. Par contre, je suis dégoûté les gens. J'ai reçu ma nouvelle manette pour faire du rando. Sauf que le vendeur. Et ben, en fait, il n'avait pas précisé dans son annonce. Et en plus, je l'ai quand même payé cher la manette. Le stick droit, ici, celui-ci. Donc, vous le verrez peut-être à gauche. Mais en fait, il bug. Donc, je peux pas utiliser l'ocarina, en fait. Ce qui est très chiant pour du Zelda. Donc, je peux toujours pas faire de Zelda rando. Donc, je suis bien dégoûté. Là, du coup, j'ai démarré par du Minecraft, mais on fera peut-être du Mario après, parce que j'ai envie de faire un peu. Pardon, j'ai un peu loqué. J'ai envie de faire un peu les deux, donc je pense que là, on va se faire. Allez, je vais dire peut-être 2 petites heures de Minecraft, et après, on va partir sur du Mario, la porte du millénaire. Donc à ce moment-là, je couperai le rec pour relancer le rec après pour Mario. Mais il faut déjà que le modpack. Ah, ça y est, j'allais dire, faut que le modpack veuille bien se lancer. Ah oui, j'avais essayé de faire fonctionner les baits aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, pour avoir des animaux. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Mais depuis que j'ai agrandi la plateforme, ben, ils spawnent tout seul en fait. Et ah oui, si, j'ai changé ça.
En fait, je me suis fait un étage full Inferium, sauf ici j'ai la Nether Star et quelque part là derrière j'ai la graine de Nitro parce que là il faut les Crux donc je pouvais pas les mettre en hauteur. Et ici j'ai le reste, donc des graines que j'avais déjà commencé à faire. Là je vais aller faire dodo parce qu'il fait nuit et que ça risque de poser problème. Où est-ce que j'ai mis mon lit déjà? Ah, elle est là-bas. Mais ouais, du coup, ouais, il faut impérativement qu'il continue à faire jour. Parce que ma meilleure source d'énergie, c'est ça. Hein. Sauf que quand il fait pas jour, et ben voilà. Et honnêtement, je me demande même si je vais pas supprimer tout ça. Juste garder la source de lave. Mais ça, bah déjà, ça, je vais le virer. Mais ouais. Et du coup ici j'ai fait deux étages. Parce que même en faisant deux étages. Voilà. Je suis à peine à du compresset 4. Hein. Donc sachant qu'il faut 5 compressets 9. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était des compressets 9. Hein. Voilà. Ça va mettre du temps. Beaucoup de temps. Donc j'ai toujours ma ferme à mob qui est là, ça a pas changé. J'ai rajouté des trucs d'XP parce que bah, l'XP elle était full. J'ai blindé tous mes drawers de. Oh tiens, celui-là, j'ai fail. Bon, c'est pas bien grave. Il y en a quelques-uns où c'est. Bah tous en fait. Tous. J'avais un bleu au départ, j'ai pas pensé à le changer. Bon, c'est pas bien grave, honnêtement, j'ai largement de quoi faire. Le plus long, ça a été d'avoir l'insenium pour faire ça correctement. Tiens, d'ailleurs, ici, je peux encore rajouter. Je dois encore en avoir des lily pads. Ouais, j'en ai deux. Parce qu'en fait, en mettant une slab, du coup, je peux faire ça. Ce qui fait que ça pousse encore plus vite. Et est-ce que je l'ai fait là en dessous ou pas? J'arrive pas à voir. Ouais, si je l'ai fait là aussi. Nickel. Donc j'ai ça, hein, j'ai fait l'Ender Dragon pour. J'avais fait ensemble, on avait fait les deux machins. Donc là maintenant ils sont en supérieur parce que ça a bien avancé. Et je les ai reliés ici. Donc pour avoir les Dragon Breath et les Dragon Egg. Alors les Dragon Egg, il y en a moins que le Dragon Breath. Là j'en ai 4000 alors que là j'en ai seulement 200. Donc ouais. Après je peux refaire des prédictions. On va refaire 2000, je devrais pouvoir les faire. Ouais. Comme ça, il va continuer à me refaire des. Vous voyez, il va les ramener ici. Et il va continuer à m'en refaire. En fait, c'est juste parce que bah, vous allez le voir quand il va me le faire. Allez, dépêche-toi. Voilà. Ici, ça m'en donne un. Alors que ici. Ah bah ici, on l'a pas vu, il a été trop vite. Hein. Mais les Dragon Breath, je crois, ça en donne 16, un truc comme ça. Ouais, voilà, ça en donne 16. Et... Donc, voilà. Du coup, je l'ai relié comme ça avec des dents anglaises. Du coup, il y a deux petites choses à faire aujourd'hui. Il faudrait que j'aille sur Botania pour me faire tout ça, afin d'avoir enfin la timing de bottle. Et il faudra que j'aille sur Industrial for Going, je crois. Ou peut-être Mechanism en vrai. Parce que c'est vrai que Mechanism, j'ai aussi moyen d'avoir un stockage d'énergie plus conséquent. En fait, je peux renvoyer tout ce que je gagne là vers. Comment dire? Je vais y arriver. Vers le stockage d'énergie de Mechanism et après le ressortir sur une Ender Gate, enfin sur une Ender Cell. Mais pour l'envoyer là-dedans, il faudra flux. Du coup. Et faudra que je fasse ça aussi. Faudra que je pense à faire ça. Que je mette un compresset comme ça. Un truc qui me fait du compresset. Bon, même si en vrai, ça rapporte rien. Donc je sais même pas si je vais le faire en vrai, mais. Normalement, je peux déjà aller sur l'extended crafting parce que il me faudra. Alors les singularités, je peux pas les faire. Quoique.
Black Iron. Ah, quoique. Luminescence, c'est facile à voir. Ah, je peux peut-être déjà commencer à aller voir sur les singus. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est ça. Ça me permettrait de le mettre dans un slot. Genre, je le mets ici, et d'un seul coup, mon drawer, il est full, tout le temps. Donc, l'idéal, j'aimerais bien avoir celui-là. Donc, tout ça, je peux les crafter facilement. Mais il me faut aussi ça. Et ça, bah, je pourrais le faire assez facilement aussi, en vrai. Mais bon, vous voyez, il faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il me faut 20 créatives essence. Après, il me faut 8 comme ça, 4 comme ça, 12 comme ça, 16 comme ça et 20 comme ça. Et ça me ferait une Creative Storage Upgrade. Et ça, je pourrais m'en servir justement pour avoir ça déjà dans un premier temps et après faire les autres. Donc en vrai, je me dis, on va peut-être partir là-dessus. Ultimate Crafting, il me faut ça, il me faut ça. Ça et ça. On va voir si on peut automatiser tout ça et si on peut se faire un Ultimate Crafting Table. Et en vrai, ce serait pas mal parce que si j'arrive à avoir les Infinite Storage, bah, j'aurai mes ressources infinies. Et par exemple, pour ce petit gars-là, si je l'ai en infini, j'ai juste à rapatrier, à exporter en fait de là. Vers une machine comme ça, et je peux virer ça en fait. Donc, ce qui serait plutôt pas mal. On va pas se mentir. Donc, on va commencer par faire ça. Qui se fait du Black Iron. Le Black Iron se fait ainsi. Et ah, il va me falloir la die essence. Donc, on va se faire la die essence. Donc, ça, c'est pour ça. Il va me falloir aussi ça. Les gunpowder, est-ce que je peux les crafter de moi-même? Oui, j'ai ça. Donc on va en mettre un là, un là, un là, un là, un là. Donc ça c'est fait et ça c'est fait. Une fois que j'ai ça, bah, il faut que j'apprenne à faire cela. On va le mettre dans mon tout nouveau Netherite Crafter. Donc, ça c'est bon. Pour celui-ci, il me faut ça. Voilà. Et donc, pour faire ça, logiquement, voilà, il sait tout me faire. Donc, je peux déjà me faire la Basic Crafting Table. On va mettre là. Ça, le bloc d'or, normalement, je vais déjà les faire. Tac. Et donc, normalement, voilà, il est capable de me faire celle-là. Qu'on va mettre là. Donc, ça, c'est bon. Les blocs de diamant, normalement, il sait déjà me les faire aussi. On va lui apprendre à faire ça. À faire ça. Toi, on va te mettre là. Toi, t'en as pas encore. Et donc, normalement, il sait me faire celle-là. Ensuite, il faut qu'il apprenne à faire ça. À faire ça. Tu dégages, s'il te plaît? Merci. Ok, et donc normalement, voilà, bah il sait tout faire. Parfait. Donc j'ai auto-crafté l'ultimate crafting table. Maintenant, il faut que je me fasse la die essence, par contre. Parce que sinon, ça va poser problème. Donc il me faut la die seed. Et donc pour ça, il va me falloir ça. Est-ce que ça, j'ai ce qu'il faut pour la faire?
J'ai la jaune. J'ai la bleue, j'ai la verte. Il me faut la lime. Alors la lime. On va... De toute façon, après tous les colorants, je vais... Et je vais faire en sorte qu'ils apprennent à les faire autrement. Je les virerai tous. Non, attends. Viens là, toi. Tu sais me faire la lime. Faut que tu me fasses la pink. Ça, je devrais pouvoir le faire. Alors, est-ce que j'ai encore des poppies? C'est ça la question que je me pose. Dans le pire des cas, je ferai en sorte d'en avoir 4. Faut que je me fasse l'orange. Et la cyan. Ouais, je peux tous les mettre au même endroit. En vrai, les colorants, c'est pas trop gênant. Et donc, ça s'appelle la dye agglomération. Alors, est-ce que tu peux m'en faire 4 ou pas? Non, parce qu'il lui manque juste les poppies. Il m'en faut juste deux, hein. Enfin, trois, quatre en tout. Nickel. Voilà. Et après, tous les colorants, je pourrais... Dégage! Donc là, on recommence. Die, die, die. Parfait. Donc maintenant... On récupère ça. Où est-ce que j'ai un autre colorant? Pas ici. J'en ai un là. J'en ai un là. Parce que tout ça, je vais les reprendre en utilisant les dye essence du coup. Hein. Tant qu'à faire. Ok, ça a l'air d'être good. Ok. Donc toi par exemple. Tu vas la prendre comme ça. Toi c'est bon. Toi. Comme ça. Toi. Comme ça, il me les enregistre bien. Toi, je peux tirer. Donc là, on est sur la white essence. Enfin, la white dye. Tac. Ah, je me suis trompé. Lequel j'ai viré? Ah, c'est le pink que j'ai viré. Comme un boulet. Je me suis trompé de truc. Bon, c'est pas grave. Hein. Regardez. Ça, le light blue. Donc ça fait 4-8. Il m'en manque encore 8. Le lime, tu sais pas faire. Enfin, le jaune aussi. Donc le jaune, le lime. Le pink. Le gray. Je préfère toutes les faire comme ça si j'en ai besoin. Le light gray. Et commence à me gonfler, vous. Le purple. Le brown. Et lequel il me manque? Le green.
D'ailleurs, le green. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'à la base. C'était avec ça. Donc, il faut juste que je trouve le green quelque part là-dedans. Il est là. Alors, faut que je me trompe pas. Celui-là, c'est la dalle essence. Donc, c'est celui-là que je dois virer. Et ça que je dois virer. Et ça, les colorants, c'est tellement rapide à faire que je peux me permettre de les mettre au même endroit. C'est ultra rapide à faire. Donc, c'est pas gênant. Voilà, donc au niveau des essences, c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse. C'est avec du prudentium. Oups. Alors, seed. Prudentium. Ça aussi, c'est un truc qui est chiant avec Refine. C'est pour ça que je me demande si je vais pas partir sur Applied. Parce qu'Applied, j'ai juste à faire le clic molette et il me prend en compte quand même que je veux faire un nouveau craft. Alors qu'avec Refine, j'y veux pas. Je sais pas pourquoi. Hop. Au revoir, cochon. Hop là. Die Essence. Je me suis fait la laser essence aussi. Avec du cuir. C'est lui. Allez, récolte. Ouais, si j'ai encore de la place. Hein. Allez. Voilà. Donc maintenant, il faut juste patienter un petit peu d'avoir assez d'ail essence. Et on pourra se faire l'ultimate crafting table. Donc ça c'est une chose. Au niveau Insanium, j'en suis où? 3 stacks et 19. Donc ça c'est bien. Et j'avais dit qu'à la base, je voulais ça. Et donc il me faut ceci. Ça, le Master Infusion, je l'ai du coup. Et là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en faut 40. Plus après. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, seize et seize, 32. 32, 8, 40, bah 80. Oui, je suis bête, c'est un 9 par 9. 40 et 40 plus. Ok. Donc ça, il m'en faut. Et 40. Et ça, c'est pour faire une créative essence. Et les créatives essences, il m'en faut. J'avais dit combien? 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 17, 18. Il m'en faut 20. Donc il me faut 20 fois ça. Ça va être un peu. J'aurais pas assez là. Hein. Ce sera pas pour maintenant, hein. Ouais, c'est clairement pas pour maintenant, hein. Là, j'ai de quoi faire avec ça, j'ai de quoi faire 10, techniquement 10 créatives essence. Ce qui est à peine un quart de ce que j'ai besoin. Donc pour l'instant, on va remettre ça là-dedans. Et pourtant, j'ai un champ complet ici qui tourne. Hein. Donc, c'est quand même. Il va falloir que ça tourne un peu. Mais on pourra se faire ça bien. Enfin, bientôt, faut juste que je laisse tourner le modpack. Parce que là, il n'a pas tourné depuis quelques jours. Il suffit que je le laisse tourner peut-être. Ben là, ça, les trois stacks là et 21, je les ai eu en laissant tourner le modpack à peu près 4 heures. Donc, on va dire que je le laisse tourner une journée complète.
Et je devrais avoir ce qu'il faut. En sachant que ici, j'ai encore des. Je vais aller les mettre là-dedans d'ailleurs. Je vais aller les. On va aller les faire process, ceux-là. Waouh, j'ai gagné une Insanium Essence en plus. Putain, truc de fou. Ouais, donc ça va mettre encore du temps. Ça va prendre encore du temps à se faire. Du coup, ça, ce sera pour plus tard. On avait dit Botania pour la Time in a Bottle. Botania, est-ce qu'on a un truc sur Botania? La Botania. Faut qu'on se fasse le pétale apothécaire. Déjà, qu'est-ce que j'ai comme Botania? Ouais, j'ai tout, j'ai toutes les fleurs. Je crois. Du moins les pétales. Ça, faut que je les fasse pousser. Il me faut des botanipotes en vrai. Alors, on va mettre ça là. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour en faire 4? Non, j'en ai aucune. Eh ben, on va se faire du fertiliseur. Du fertiliseur comme ça. On va se le faire. On va prendre celle-là, ça va être bien. Est-ce que tu peux m'en faire un stack? Non, parce qu'il me manque des essences. Alors, je vais pas faire comme ça du coup. Je veux, vous savez quoi, je vais l'effacer ça. Tac. 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 Alors, un stack pour 1, 2, 3, 4 et un stack pour 1, 2, 3 et il m'en faut encore. Donc ceux-là on les garde et ceux-là on les transforme. La vache, tu vas mourir. Voilà, maintenant ici j'ai juste à faire ça. Ça. Et ça. Et on tartine. J'en ai même des grandes dans le lot. On récupère un peu tout. Et vous voyez, j'en ai même pas assez. Là, je vois que j'en ai trois comme ça, deux comme ça. C'est parce que les grandes, il me faudrait ma cheers. Cheers, j'en ai normalement. Faudra que je les coupe à la cheers parce que ça m'en avait fait des grandes. Ah mais les grandes ils sont pas prises en compte pour dans tous les cas ils sont pas prises en compte les grandes. Alors qu'est-ce qui me manque? Bah c'est bon. Au moins comme ça je pourrais avoir les pétales plus facilement. Parce que ça j'aurais juste à lui dire tu me transformes la fleur. Et après avec le bol, c'est Mortar, je crois. Ouais, je l'ai là. Je pourrais lui apprendre. Ce sera beaucoup plus facile. Allez, on va cramer le reste des. Ah, en fait, c'est parce que je cours à côté, je crois.
Ouais, du coup, ouais, bon. Hein, on va pas. Voilà. Et ça va avec du prudentium, encore une fois. C'est quoi? Est-ce que ça me gonfle? Voilà. Hein? Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Pour Botania, je devrais moins me prendre la tête. Voilà, du coup, j'ai déjà quelques plantes, mais par contre, ah ouais. Dans un instant, j'ai peur, j'allais dire. C'est quoi là? Allez, fais-moi la mystique à l'essence. Je savais même pas qu'elle existait, celle-là. C'est dingue. On en apprend tous les jours. Allez, dépêche-toi. Voilà. Et j'ai même eu des dice-seeds du coup, tout ça. Faut encore que je les foute à la poubelle, eux. Quoique non, c'est vrai que je les gardais, les seeds. Parce que je pourrais les process. Voilà, maintenant j'ai deux Mystical Flower Essence. Et maintenant j'en ai toujours deux. Bon, ça c'est fait. Toujours est-il que ici il me fallait le pétale apothécaire. Le pétale apothécaire, il va me manquer ça. Voilà. Vu que là j'ai de l'eau, on va le mettre. Ah, est-ce que là on a le truc? Si on le met comme ça, non, là ça marche pas. Okay. Pas grave, on va prendre des bons vieux buckets. Voilà, du coup, Mystical, non, c'est pas Mystical, Botania. Voilà, alors est-ce qu'il m'en redonne une en cadeau? Non, donc il faut que je me fasse la deuxième. Donc il va falloir que je lui apprenne à faire les white pétales. Tac. Non. Voilà, white pétale. Tu vas me le faire avec ça. Dégage. Et ça, bah, tu vas me le faire avec ça. Alors, White Petal, est-ce que tu peux m'en faire 4 ou pas? Ouais, j'ai déjà assez pour en faire 4, mais c'est parfait ça. Parfait. J'ai mes deux Pure Daisy. C'est aussi pour ça qu'il me faudrait que je passe sur Applied en fait. Pour pouvoir automatiser le mana. Ouais, il va falloir que. Bon, pour l'instant, je vais le faire à la mano, tant pis, hein, mais. Alors, on va faire ça. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que là, les crafts ont changé ou pas? On est sur du log, tout simplement. Et donc là, ce sera de la stone. Ouais, de la stone. Donc, log. Fais-moi-en un stack. Ça, c'est une technique que j'ai récupéré des mails du coup. Ultra pratique. Alors, juste par contre,
Je sais pas si quand il est orienté autrement, ça marche. Donc, dans le cas où, hein. Dans le doute. Hop, même ça, hein, techniquement, je peux l'automatiser avec Bota, avec Applied, avec les Annihilation Plane et tout, mais j'ai déjà essayé sur un autre modpack et j'ai pas réussi. Donc, salut Thibaut. Hop, et donc là, il me faut de la stone. Stone, j'en ai 7. Il m'en faut un stack plus 1. C'est vrai qu'avec les essences, ça va tellement vite. Voilà, maintenant, je peux... Non. J'ai juste à faire ça. Clac, clac. Et voilà. Et là, si on veut voir si ça se transforme, il me suffit de faire... Ça. Et là, on voit que ça se transforme. Mais je laisse pas les particules pour ça. Quoi qu'en vrai, là, ça fait pas lag. Mais le problème, c'est que bah là, maintenant, les champs, ils sont pleins, donc ça va. Mais j'arrivais plus à repérer lesquels étaient de l'inférium et lesquels étaient pas de l'inférium. Donc, ouais, ça, moi, avoir autant de particules, ça me dérange un peu, je vais pas vous mentir. Donc, je mets en minimal, et puis voilà. Hein. Donc là, ça va se transformer. Il va me falloir la hache. Et après, il va falloir que je me fasse. Ah, faudrait que je teste un truc. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non, ça se connecte pas. Et sur le côté? Non, ça se connecte pas. Mais je vais le mettre là pour avoir accès à l'eau. Parce que là, il va falloir que je me fasse des endoflames. Et des endoflames, il va m'en falloir 28. Il va m'en falloir 28. Donc, les endoflames, si je me rappelle bien, c'est du marron, du rouge et du light gray. Et ouais, c'est deux marrons pour un rouge et un light gray. Donc le light gray et le rouge, il m'en faut 28. Donc, pétale là. Ah, il faut que je lui apprenne à les faire, les différentes pétales aussi. Pétale là. Donc la blanche, je lui ai déjà appris à les faire. C'est avec celle-là. Après, on va faire celle-là. Avec ça. Ensuite, ah, il a, on a entendu, il a fini de me transformer. Attendez, on va faire un petit peu de ménage, le temps d'apprendre les crafts. Donc là, on en est à la science. On va lui apprendre à faire celle-ci. Et j'aurai pas assez de pattern. Hein. Refais-moi des patterns. Pourquoi il est aussi lent? Ah oui, parce qu'il doit cuire le verre pour ça. Ah purée, pourtant j'ai effacé hein. C'est le gris aujourd'hui, prévu de la pluie. Bah depuis hier il pleut, hein, par chez moi. Ok, donc là on avait fait la jaune. Oh, tiens, c'est drôle ça. On va faire la lime.
Ensuite, la pink. Ensuite, la grey. Au moins, comme ça, pour Mysticole, je serais pas embêté du tout. La light grey, du coup, dont j'ai besoin, justement. Tac. Et je me suis trompé, c'est comme ça, pour rester dans le... dans le bon sens. Ah oui, attendez, excusez-moi. Oui. Ah, désolé, j'arrive, je vais vous ouvrir.
Me revoici, désolé, j'ai une petite prise de sang à faire, j'avais complètement oublié que c'était ce matin. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Du coup, je sais plus ce que... Ah si, j'étais en train de faire les pétales, et j'en étais à la light grey. Non, comme ça. Comme ça. Alors le truc, c'est que j'aurais peut-être pas encore assez de... De mystique à l'essence. Pour tout faire. Hop. Hop. Et je pense que ça, c'est pareil. Ça devrait... J'ai même pas besoin du mortar. Je suis en train de penser à ça. Le mortar, c'était pour faire les dailles essence. Donc pour les pétales, ça va être ultra facile en fin de compte. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur le mortar. Complètement bugué. Donc ça, il me reste la green. La red et la black. Donc la red. Tac, tac. Et la black, la black, la black. Et ça, comme les colorants. Ça va ultra vite à faire. Donc je peux me permettre de les mettre au même endroit. J'ai un crafter, c'est limite que pour des colorants et des pétales, quoi. Donc du coup, j'avais dit, il m'en fallait 28. Donc 20, non, 28 raids. Donc là, j'en ai 16, donc il m'en faut encore 12. J'ai assez pour les avoir. Donc j'ai les 28. Après, il me fallait 28 light gray. Et par contre, il me faut 56 browns. Du coup. J'ai pu les faire, parfait. Donc ça, c'est pour mes endoflames. Il va me falloir aussi, donc... non, je les ai là. 28 seeds. Celle-là, je vais pouvoir les ranger. Ça, donc j'avais pris parce que j'en avais besoin. J'étais en train de me faire tout ça. Ok. Ok, on va déjà commencer aussi à faire. Ah, il me faut mes buckets. J'avais oublié ce détail. Il va me falloir les buckets. Oh, j'ai rangé tous les sites comme un boulet. Ouais, j'ai rangé toutes les sites comme un boulet. Bah oui, c'est quand j'ai fait un double clic, je suis bête. Ça. Heureusement qu'il y a cette fonctionnalité-là qui permet de moins galérer. Merde, je me suis trompé de... Voilà. C'est n'importe quoi. Attendez. Ok. Ah, c'est drôle ça. On peut jeter le saut. Non!
enculé. Fallait que ça m'arrive, hein. En plus, là, je bug avec ma roulette, je suis hyper lent. C'est pas grave. Crois que j'avais déjà regardé, mais il n'y a pas le calice, hein, je crois. Non, non, il n'y a pas le calice. Ah, c'est dommage. Hop, comme ça, là, ça fait un chiffre qui colle avec ce que j'ai là. Vais encore faire ça deux fois. Après, je suis pas obligé d'en faire autant, hein. Mais j'ai pris l'habitude de faire les spreaders par 4. Donc, du coup, bah, on va continuer, hein. Voilà. Donc, j'ai mes endoflames. Et puis bah d'ailleurs c'était une quête à faire, donc maintenant il faudra que je fasse les mana pool. Il me faudra 4 mana pool. Alors après il faudra encore que j'apprenne à faire fonctionner le mana splitter. Parce que ça je sais toujours pas comment ça fonctionne. Hop, donc j'ai mes 4 mana pool. Le spreader. Voilà, j'ai les spreaders. Par contre, pour avoir le spreader, il demande d'abord de faire la wand. On va se faire la wand. Plaque lotus. Est-ce que j'en ai déjà ça? Non, j'en ai pas. On peut pas les crafter ça. Hein. De mémoire, ouais. Oh, j'ai une Black Lotus. Ça peut être utile. Hop. C'est bien, il m'a mis deux couleurs différentes. Nickel. Donc il m'a complété le mana spreader. Maintenant, il va falloir mana diamond. Et après, il va falloir le runic altar. Et vous voyez, c'est l'acheminement. Mais hé! Dégage de là, toi! C'est l'acheminement classique, on va dire, pour avoir la time in a bottle. Hein, de toute façon, il indique clairement comment avoir la time in a bottle dans son pack. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Du coup, je vais poser ça. Ici, je pense. On va mettre les spreaders. On va leur donner une direction parce que c'est mieux. Voilà. On va y mettre les endoflames. Voilà. Et je vais devoir virer la méga torche et la poser ailleurs. Voilà. Est-ce que j'ai des plates? Non, j'ai pas de plates. C'est moins stack de planches. 4 plates. Je crois qu'il faut que j'utilise, il faudra que j'utilise un hopper, je crois, pour bien.
bien faire les choses. Il me faut des open crate. Ça, je vais lui apprendre à les faire. Ah, attendez, je reviens. Je crois que j'ai entendu mon fils le premier. Salut Lucas, comment tu vas? Je reviens, je reviens. Comme dans sa survie. Ouais, exactement. Ah, je suis désolé, hein, je l'ai entendu de loin, mon fils, il est tombé, il s'est cogné, il a un œuf sur la tête, là. Du coup... non, je l'ai fait une deuxième fois, mais c'était pas grave. En vrai, là, le modpack Mystical Block, il est pas mal, parce que... T'as une Mystical Flower Essence, donc je peux avoir toutes les pétales, toutes les dés comme je veux et tout. Franchement, il est plutôt pas mal. On a le choix entre Applied et Refined. Vu que le modpack met en avant Refined, je suis parti sur Refined, parce qu'ils le mettent vraiment en avant avec les disques et tout ça. Il y a un tout petit parti là pour Applied, c'est tout, vraiment une mini partie. Mais je me demande si je vais quand même pas partir sur Applied, parce qu'en vrai, Refined, il est bien, mais... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Du coup, toi on va te mettre là, toi on va te mettre là, et ici on va te demander de me faire 4 open crate. Est-ce que tu peux me les faire? Il faut d'abord que je te donne le matos. Allez. Est-ce que tu peux me faire les 4 ou pas? Ouais, il peut me faire les 4 open crate. Parfait. Donc les 4 open crate. Hop, histoire d'automatiser un petit peu Botania. Tac. Par contre, l'Ender Dragon dans ce modpack, il est hardcore. Il est vraiment hardcore. Midi up au plat. Alors, il va me falloir des slabs. Est-ce que j'avais automatisé. Non, j'ai pas automatisé les smooth slabs. J'ai pas automatisé celle-là. J'ai pas automatisé celle-là. Ah, celle-là, elles sont automatisées, mais non, même pas. Vas-y, c'est quoi, on va automatiser des slabs. Vu que j'ai du smooth, on va automatiser les smooth slabs. Parce que le smooth est déjà automatisé. Et on va lui en demander 3 du coup. Ouais, c'est bon, il m'en donne 6, c'est logique. Non, il m'en faut même plus, en vrai, il m'en fallait 8. Il va me falloir de la redstone. Et let's go.
Donc du coup, il y en aura une là. Voilà, ça c'est chiant, il va me... Ah non, c'est bon, il me casse que celle que j'ai besoin. Ah oh, bah c'est parfait ça. C'est perfecto. Tac. 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 Là, on est bon. À boire. Santé. Moi, je trinque à la grenadine, je suis un dingue. Hop. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, il va me falloir des hoppers. On va la stocker là. Ça, j'en ai plus besoin. Les hoppers, je crois que je les ai automatisés, hein, ouais. Il m'en faut 4. Lol, non, non, je bois pas toute la gourde, ça va pas, non. Et de toute façon, à cause de mon bypass, je pourrais même pas. Je mets tout pris à moitié. Hop. En fait, il faut le hopper, c'est pour que ça drop que un col à la fois, en fait. Sinon, c'est chiant. Je vais tester un truc. Si je fais ça. Ouais, non, en vrai, ça revient au même. Je vais pas faire ça. C'est débile. Par contre, prends-le-moi. Hop, on va faire ça, ça. Ça, tu permets, merci. Ça. Et du coup, du call. J'en ai pas des masses, mais on va le récupérer. Voilà, nickel, ça me les envoie bien qu'un par un. Oh merde, j'ai tout mis dedans. Il va me falloir encore 2 stacks de colle. 319 jours. T'es pas loin des 365 quand même, hein. Colle. On va lui demander 2 stacks. Histoire d'avoir une égalité. Voilà. Let's go! Génération de mana automatique. Ça, c'est good. Ah, par contre, pour l'énergie, c'est une purge hein, dans ce mode pack. Et je vais te montrer, Lucas, tu vas voir. L'énergie dans ce mode pack, c'est une purge. Déjà, tu oublies Powa. Parce que Powa, je vais te montrer. Le réacteur de Powa ne génère que 5400 FE. Au lieu des 500 000 habituels. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, Powa, on oublie. Donc, j'ai testé plein de choses. Au début, j'avais quand même fait les Magmators. Après, j'ai essayé avec ça. Alors, ça me produit de l'énergie. Mais au final, ce qui me produit le plus d'énergie, c'est ça. Là, je suis sur du 32 000 parties avec un Solar Panel de niveau 8. Pourtant, il met bien en avant Powa. Hein. Mais. Powa, c'est là, c'est de la merde dans ce pack. Donc, ah là, les solars, ils fonctionnent bien. Et là, j'aurai jusqu'au chaotique. Et le chaotique me génère 524 000 FE. Donc, je pense que là, il faut clairement passer par Draconique. D'ailleurs, je peux commencer Draconique. Il va falloir que je fasse le Wyvern et puis après
le Draconic Solar Panel, qui est déjà lui me génère 260 000 FE. Alors, le seul truc qui change, c'est qu'il faut qu'il fasse jour. Alors normalement, j'ai la dimension du minage qui est là. Je me demande si je vais pas faire celle qui est où il fait toujours jour. Comme ça, je vais utiliser ça avec toujours l'énergie cell et les Undergate. Mais comme ça, j'aurai constamment de l'énergie produite. Je pourrais virer tout ça en fait. Parce que là, clairement, c'est relou. Hein. D'ailleurs, normalement, je lui avais. Est-ce que je lui avais déjà appris les solars? Ouais, je lui avais appris les wyvernes. Mais je lui ai pas appris les autres. Donc, celui-là, je pouvais pas lui apprendre parce qu'il faut que j'apprenne d'abord ça. Ah, par contre, il n'y a pas d'essence pour ça. Il y a une essence pour la draconique. Pour le draconium, j'ai une essence, je l'ai faite. Mais j'en ai pas pour ça. Donc ça, il faudra que je les crafte moi-même. Hein. Ok. Et ça, il faut les faire obligatoirement là-dedans. Et ça, je peux pas l'automatiser avec avec Refind. Donc ça va être un peu chiant par contre. Ça va être même grave chiant. Bon, en soi, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Par contre, il va falloir que j'automatise ça. Et il va m'en falloir. Alors normalement, il y a les quêtes de draconique. Faut que je vois est-ce qu'il en redonne ou pas. Non, il en redonne pas. Ok, donc il va m'en falloir. Il m'en faut 12 par truc pour être sûr. Quoi qu'il faudrait que je vérifie. Je peux pas voir les différents crafts. Non, il en faudra que 10 par truc, je crois. Ouais, ça va être chiant d'automatiser ça. Il faut... En fait, je peux l'automatiser en passant par un chest et tout le bordel, mais... Franchement, j'ai la flemme de mettre ça en place. Hein. J'ai grave la flemme. Hein. Mais ouais, il y a moyen avec des filtres et tout. Il y a grave moyen, mais... C'est ça, il me faut plusieurs trucs, en fait. Ouais, ça, je parie que je peux l'avoir qu'en butant le Chaos Guardian. Donc ça va être une vraie purge à avoir. Ah, ça va être horrible, hein, ça. Ça va être horrible à avoir. Il va falloir que je bute des Chaos Guardian, hein. Ça va être immonde. Si je veux le tir chaotique. Ouais. Le fusion crafting core, il va m'en falloir 4. Où est-ce qu'il est, qu est je le vois pas. Je suis bigleux ou ouais, je suis bigleux. Ça. Alors. Donc, ça, tu vas m'en faire 40. On va quand même prévoir pour le tir draconique. Ah, il me manque 212 gold. Bah alors, travaille plus vite, toi. Attends, j'en ai que 44? Me dis pas que c'est lui qui me les prend. Non, normalement, c'est bon. Parce que la gold, elle est là. Ou là, je sais plus. Elle est où? Ça, c'est Blazing. J'ai oublié de replanter la gold? Sérieux?
Mais je suis un méga boulet! J'ai oublié de replanter les graines de gold! Quand j'ai tout bougé, parce qu'à la base, ça c'était au sol. Et en fin de compte, j'ai fait un champ d'inférieur en dessous. Et le champ au-dessus classique. Ouais, déjà, faudra faire le dragon. Ça va être chaud patate, hein. Putain, j'avais oublié de remettre mes graines de gold comme un gros blédard, là. En fait, j'ai lui qui récolte avec un filtre uniquement les gold seeds pour les éjecter, parce que ça, c'est un champ de gold. En fait, tout ce champ de gold-là, j'ai un double champ de gold. Si tu te demandes à quoi ça sert, Lucas, c'est pour aller jusqu'à ce petit gars-là, qui est un compressed block of gold de tier 9, qui me permet, via Poa, d'avoir du Holdemodium. C'est une purge. Donc, voilà, hein. Le Holdemodium, c'est une vraie purge. Mais par contre, une fois que j'aurai le Holdemodium, je peux le faire fondre, me faire des lingots, me faire une armure. Mais quand tu vois les stats de l'armure, ça va, tu vois, ça va. Sachant qu'après, je peux l'évoluer en Vibranium et en Non-Obtainium. Non, le Holdemodium, quand tu regardes dans les ATM, c'est assez facile à voir, t'as la graine et tout. Sauf que là, il n'y a pas de graine. Là, il y a zéro graine, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, mais. Il me semble qu'il n'y a pas de seed. Ouais, voilà, tu vois, là, il n'y a pas de seed. Donc là, pour chaque lingot d'Holdemodium que je veux, il me faut 6 compressed blocks of gold. C'est pour ça que là, je travaille à avoir ceci. Qui va me permettre, une fois que j'ai ça, normalement, si ça fonctionne comme avec Functional Storage, le fait de mettre ça là-dedans, normalement, ça va me permettre d'avoir à l'infini les ressources. Ah, mais là, c'est pas que les premières. Hein. Après, bon, je dis pas, hein, une fois que tu les as, genre, tu as l'épée en draconium. Enfin, le mieux, c'est d'avoir la Paxel. Elle va piquer. Hein. Elle va vraiment piquer. Hein. Parce que voilà. Hein. Le vibranium, ça va être la même chose en diamant. Et le noctonium. Le noctonium. C'est avec les créatives essences. Le Noctonium sera plus facile à voir, limite. Ah, mais ça, je l'ai découvert dans le stream précédent. Là, c'est ouais, c'est clairement abusé. Et le problème, c'est que le Holdemodium, ils disent apparemment, il y a un or, mais on peut juste le faire nous-mêmes, en fait. Ce qui vaut pas le coup. Après, ils disent, dans n'importe quel biome océan, tu peux l'avoir, mais je suis sur un skyblock. Donc, il n'y a pas de biome océan. Donc, à la limite, non, j'allais dire... Non, sur le coup, j'allais dire peut-être avec les laser drills, mais même pas, parce qu'en fait, là, il n'est pas dedans. Donc, même pas. À la limite, peut-être que le vibranium et le... Je sais pas si... Non, le vibranium, je peux pas, parce que j'allais dire, je peux peut-être avoir le vibranium or. Mais non, parce que le nether, il est pareil, il est désactivé. Et le noctonium, est-ce qu'on peut avoir le or? Non, je crois qu'il était désactivé. Hein. Ouais, donc quéquette, comme on dit. Donc ouais. Après, bon, les stats ont été extrêmement boostées. Donc, t'en chies pour l'avoir, mais une fois que tu l'as, t'es heureux. Une fois que tu l'as, t'es heureux. Mais bon, le problème, c'est que là, en attendant, ma meilleure armure, c'est ça. Mais ça, ben, je peux pas l'enchanter. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir au moins le Holdemodium, parce que le Holdemodium, normalement, on peut l'enchanter. Parce qu'après, au niveau des chestplates, bon, il y en a plein des différentes. Hein. Il y a celle de Tinker et tout, hein, mais... voilà, elles sont pas fifou, quoi.
À la limite, j'ai celle en Netherite, du 8-3, et là je suis sur. Mais là je suis sur du 10. Mais au moins celle-là, je peux peut-être les enchanter. Parce qu'il y a Apothéosis. Hein. Donc il y a moyen de faire des enchantements de barbares avec. Mais et voilà quoi. En 1.16.5. Mais à la base, je l'ai fait. Je me suis dit, je vais le tester parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce mode pack et j'ai entendu plein de gens dire qu'il était génial. Alors certes, il est bien, hein, tu t'éclates parce que dès le départ, tu commences, t'es sur du mystical. Tu commences, t'es sur un seul bloc avec une graine d'inférium, tu vois. T'es sur du mystical dès le début pour les ressources. Donc au niveau ressources, toi, tu gagnes bien tes ressources. Mais il y a certains crafts, vas-y, c'est clairement abusé. Hein. Il y a certains crafts qui sont abusés de ouf. Hein. Donc du coup draconique, on va repartir. Il m'en fallait 40. Normalement je devrais pouvoir les faire maintenant. Non, il me manque encore 161. J'en ai pas encore assez, ça pousse pas assez vite. Oula, je n'ai peut-être pris un peu trop là. On va lui redonner deux autres. Hein. M4, allez. Allez, poussez vite pour que quand... voilà. Allez, Mystical Flower Seed. Tac. Ouais. Du coup, faut que je me fasse une zone pour Draco. J'ai pas automatisé la grâce. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est là. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Hop. On augmente un peu la zone. M'en font encore. Bon, j'ai ma méga torche, donc je suis un peu tranquille, on va dire. Mais il m'en faudra une deuxième. Est-ce que je l'avais automatisée ou pas? Non, je l'ai pas automatisée, la méga torche. Je vais en faire une deuxième parce que j'ai peur que ce soit un poil dangereux. Hop, on va se faire une méga torche. Et on va la mettre là-bas. Voilà. Est-ce que je peux au moins me faire ça déjà? Ouais, ça je peux me le faire. Ok. Il me faudra des cloques. Il me faudra les redstone cloques. Cloque, 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 cloque. Bah celle-là, hein. Hop. Donc ça. Donc là, il faut qu'il y ait deux d'espace. Hop, donc là, le truc qui va venir là, le câble d'énergie va venir là. Et je peux faire en sorte qu'il alimente derrière aussi. Donc, 2 d'espace. Tac. Pareil. 2 d'espace, le truc qui va venir là, l'énergie, le truc, 2 d'espace, là. Et le dernier, on va le foutre là. On va le mettre ici, allez.
Voilà, maintenant il me faut juste mes fusions, mais il me faut beaucoup de gold. Oula. Ah, ma wireless, elle est out of energy. C'est vrai qu'il faut que je pense à faire ça encore. Parce que je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, on va les faire dodo parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Voilà. Il faudra que je... Il me faudra un zombie. Pour le player transmitter. Donc tu vas apprendre à faire ça. Je lui ai pas appris à faire tous ces trucs-là. Hein. Et faut que tu apprennes à faire ça. Que tu apprennes à faire ça. Ça. Non, je voulais dire ça. Ok. Alors, l'aérial, ça il va falloir que je le fasse de moi-même. Player transmetteur. Tac. Alors, tu vas m'apprendre à faire ça. Ça. Tac. Non, là, j'en avais déjà un. Hop. Là, tu vas m'apprendre à faire ça. Alors, je vais tout de suite faire comme ça ira plus vite. Tac, 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 tac. Ça, le nitro, la Nether Star, il sait déjà le faire, donc il faut que tu apprennes à faire ça. Celui-là. Celui-là. Ouais, ça va être chiant pour les Ender Gate du coup. Je sais pas s'il y a la Zerayo dedans. S'il y a la Zerayo, je peux peut-être automatiser Draconic avec la Zerayo aussi. En vrai. En passant par un chest. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Donc là, du coup, j'ai ça. Tac, 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 tac. Hop.
Hop. Donc là, j'ai fait le blazing. Le spirited. Et le nitro. Maintenant, tout ce qu'il me faut, ben, c'est l'aérial. Donc, il va me falloir un zombar. Zombar, il y a des chances que j'en ai là-dedans. Il faut juste que j'aille à un endroit où j'ai pas éclairé. J'en entends un quelque part là. Oula, j'ai un freeze. Comment je l'ai chopé au vol? Excellent. Alors, player transmitter, le nitro. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour le faire? Yes. C'est pas une quête, ça? Non, ça n'a pas l'air d'être une quête. Ok. Il va me falloir ça. Et là, maintenant, il me faut un Enderman. Alors ça, ma seule chance d'en avoir un, c'est de faire comme ça, en espérant trouver un. Non, ou sinon, je sais. Je sais. Est-ce que je l'avais alimenté par quoi? Ouais, c'était par un bloc. On va faire ça temporairement. Voilà. Ouais, mais moi je veux. Voilà. Faire ça. On fait ça. Maintenant on dit au revoir. Alors là, du coup, lui, ça va me pomper de l'énergie en veux-tu, en voilà. On va le mettre ici. Comme ça m'évite de prendre sur ça. Et voilà. Et maintenant, je suis tranquille là. Parce que c'est bon, hein, ras-le-bol de toujours devoir recharger. Ouais, ici, ça continue. Ah, par contre, ici, il faut que. Claim tout ça. Hop. Alors je sais qu'on peut servir des sparks normalement, mais je me rappelle jamais comment ça fonctionne. Alors le truc c'est que j'ai jamais compris le fonctionnement des sparks. Je crois que c'est si je fais ça et ça. Non, rends-le-moi. Wow. Eh, pourquoi? Eh, oh, wow. Pourquoi il bougeait tout seul, lui? On peut pas mettre de spark là-dessus? Bah non, on peut pas mettre de spark là-dessus.
Tu me le rends ou donc du coup, il faudra que je redirige le mana. Ah, j'ai plus de colle. Ça va s'arranger ça. Normalement, je peux en refaire facilement. Au bout d'un moment, j'aurais plus d'essence, hein, mais il me reste plus que 1800 d'essence, et pas des masses. Mais j'ai assez pour faire 2000 de colle normalement. Ouais, ça consomme 1300. Ouais, par contre, là, niveau essence, je les ai bien mangés quand même, hein. Voilà, c'est bon. Niveau production de mana, c'est bon, ça le fait. Maintenant, il va falloir que je passe aux runes. Ça va être un peu plus chiant, par contre, j'avoue. Et bien entendu, en plus, c'est les runes bien casse-couilles. Donc, il va me falloir la rune d'air, la rune de fire, la rune d'earth, la rune de water, et du coup, pour faire la rune de winter. La rune d'automne, la rune de spring, la rune de summer, et il va en falloir une cloque. Alors, on va commencer par la rune of air, allez. Il va me falloir de la mana powder, du phaser, du string. Donc string. Je crois pas du tout que j'ai du mana déjà. J'ai que les mana diamond. Iron. Ok, on va essayer de se faire un stack. Si ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de graines pour ça? Si, il y a une graine. Magnifique. Il me faut 4 tertium. Deux. Ça, c'est génial, ça. Les graines de Botania, c'est génial. Toi, je vais aller te mettre là. Ouais, du coup, est-ce que maintenant t'as assez pour me faire ces petits gars-là? Yes! Ok, la mana style essence, ça c'est fait. On va aller poser ces petits gars-là. Alors, 2 d'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, ça fonctionne comme ça, hein, logique. Quoique, je vais pas faire comme ça, moi. Ah oui, ça a l'air que charge un peu en énergie parce qu'ils sont sur moi du coup.
Hop, on mettra une guette avec un câble, hein. Et la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est ça. Donc, il va me falloir 120 diamants, 60 draconium, 30 wyvernes. Alors, il va me falloir 30 wyvernes et j'ai pas assez de graines. Ah, il manque de l'or et tout. Ouais, bon, on les a déjà posés. On va attendre de d'avoir ce qu'il faut. En attendant, on va prendre deux gates. Et il va falloir que j'apprenne à faire des câbles d'énergie. Alors, l'idéal, ça aurait été des câbles de mécanisme. Les Universal Cable. Va falloir que je fasse du style. Est-ce que là je peux déjà le faire? Parce que je crois pas que j'en ai. On a le style de mécanisme qui peut se faire. Ils ont enlevé le craft avec le métallurgique infuser. Bande d'enfoirés. Donc je suis obligé de passer par, par le Blast Furnace. Pour avoir les quatre premiers. Ouais. Ouais, j'en avais pas du tout, hein, d'immersive. Ok. Le coke oven. Alors déjà, on va mettre ça là. Voilà. Et le blast brick. Est-ce que j'en ai là de la Netherrack? Non, là j'en ai pas du tout. Alors, toi tu vas me faire ça. Déjà appris à faire ça? Ouais, je vais déjà appris à faire ça, ok. Tu m'apprennes à faire ça. Ça, je les récolte, donc c'est parfait. Ok. Ouais, donc ça, j'avais commencé, il me fallait du string, il me fallait du mana steel. Non, c'est pas ça qu'il me faut, je crois que c'est de la. Ouais, voilà, Nether Agglomération. Alors. Est-ce que tu vas être capable de me la faire, ça? Et d'ailleurs, ça, j'en ai plus besoin. Est-ce que tu peux me le faire? Qu'est-ce qui te manque? La Nether Brick et de la Soul Sand. Ok, alors Soul Sand, je dois en avoir.
Moi, les 4. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, c'est avec du prudentium. Tac. Prudentium. Que si jamais j'en ai encore besoin. Il faut que je sois prêt. Hop. Donc on récupère ça. Parce que là, je suis pas sûr que j'ai assez de netherrack pour faire les blast briques. On fait de la redstone. On va se faire deux stacks de netherrack. Ça va à une vitesse. Du coup, techniquement, je peux déjà me faire les wyvernes. Le truc, c'est qu'il prend pas ceux qui sont déjà consommés. Donc ça, c'est chiant, par contre. Ou alors, peut-être si je le fais manuellement. Alors. Cocoven. Hop. Voilà, je peux enlever les autocrafts parce que j'en ai plus besoin. Je les avais mis où? Là et là. Tac, et ça, je vais me les foutre. Bon, allez, là derrière, ça va être bien. Du coup, j'ai pas le hammer, je crois pas. Hein. Non, parce que j'ai pas eu besoin de le faire jusqu'à maintenant, donc forcément, je l'ai pas. Hammer, 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 hammer. Il est où, il est où, il est où? Je le vois pas. Ah oui, mais c'est une quête. Pas faire. Traité de wood. Il me faut du colcoque. T'en demande combien? Un seul. Bon, on va attendre qu'il le finisse. Tac, tac, tac. Ici, il faudrait que je lui apprenne à faire les... Je crois pas que je lui ai appris. Non, je lui ai pas appris. Les tanks. Parce que... Créatif flux de temps, quoi. Pourquoi pas. Tiens, il faut quoi d'ailleurs, lui, pour le faire? Ils disent pas comment. Toujours est-il que ici, tu vas apprendre à me faire ça.
Allez, fais-moi un jumbo tank. Da-da-da-da-da. C'est long, hein, copain? Ah, il va m'en falloir plus que ça parce qu'il va falloir que je fasse du traité de wood et tout. Donc, allez, il a presque fini. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant il va me demander du style, forcément. Il va me demander toutes les plates, vraiment? Et par exemple, les plates, elles servent à faire quoi? On va faire des trucs, ok. On va te donner ça. Est-ce que je me ferais pas... Mais non, c'est pas ça. Est-ce que je me ferais pas le Blast Furnace comme ça, hein? Il faut juste un hopper au-dessus, si je dis pas de bêtises. Faut juste que je fasse 27 steel plate. En vrai, j'en ai besoin que 4. Est-ce que ça vaut le coup de... Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut point le coup. Lui continue à faire sa réserve de mana, tranquille. Donc du coup, ah oui, il fallait que j'étais parti là-dessus. Obligatoirement des carpettes oranges. Alors pourquoi j'en ai fait autant, j'en sais rien. Hop, si j'ai besoin d'autres... Hop, donc il me fallait une carpette. Un mana steel, un string. Ah mais non, c'est n'importe quelle carpette parce que ça change quand on clique. Ok, bon, c'est pas grave. Mana powder et feather. Et la mana powder s'obtient avec la gunpowder. Ça, je vais en faire plusieurs parce que je sais que je vais en avoir besoin. Ok. Maintenant, faut juste que je dise, par exemple, à toi. Non, j'ai dit toi. Non. Toi. Voilà. Envoie-moi le mana ici. Il me faut le Living Rock. Normalement, voilà, je peux déjà le mettre. Ok, donc R, c'est fait.
Fire. Donc, de nouveau, mana steel, mana powder, gun powder. Donc, je vais les garder sur moi en vrai, ça. Ça aussi, parce que je sens que j'en aurais besoin. Je le sens. Gunpowder. Netherwart. Et Netherbrick. En faisant une dizaine, tu devrais être capable de les faire. Ok. Donc on aura la fire, on aura enfin la timing de bottle. Après, j'ai pas encore de machine, hein. Et si j'ai une seule machine, c'est le truc, le soul extractor. C'est la première fois où j'ai pas encore de machine d'installer. Donc j'ai Rune of Fire. La Rune of Earth. Ouais, en Desit, Jorit et compagnie, ok. Block of Call, Mana Steel et enfin un Mushroom. Mushroom. En Desit, je dois en avoir. Donc Mana Steel, Mana Powder et Block of Call. Mana Steel. Mana Powder et Paul. Et pour la prochaine, la water, c'est toujours Mana Steel, Mana Powder. Avec Sugar, bonne mille. Bonne mille. Et ça. Est-ce qu'il y a Magnet? L'arc. Ok. Ah, c'est vrai qu'un arc avec Magnet, par contre, c'est pas très... pas très pratique en vrai. Donc la water, ce sera fait. Maintenant, il faudra que je fasse les 4. Les 4 là, quoi. Ok. Donc maintenant que j'ai celle-là, la winter. C'est Earth, Water, Snowblock, Wool. Wool. Earth, Water, c'est ça. Snowblock et Cake. Alors le Cake, normalement, je l'avais appris à le faire. Mais il me manque... deux buckets de lait. Alors, le problème c'est que j'ai buté les vaches tout à l'heure. Par contre snow j'en ai pas. La snow, comment je vais l'avoir ça hein? Avec de la water.
Elle va être là. Non, faut pas que je fasse comme ça. Comme ça. Ouais, du coup, j'ai plus de vaches. Problème, c'est que... Ah, mais c'est bon. Donc j'ai le cake. Il manque plus que le snowblock. Il me faudra peut-être du Silk Touch pour le snowblock. Quoique normalement, j'ai pas de shovel, bien entendu. J'ai peut-être un diamant sur place, non, même pas. Hop, on va faire la chevelle. Et normalement, je récupère. J'en ai récupéré combien? 4. Bah, c'est parfait. Nickel. Voilà. Pas ça. Ah, il faut deux snowblocks. Par contre, ça m'a bouffé mes seaux du coup. Let's go, hein. On en refait un. Hein. Donc ça, ce sera pour le winter. Après, il faudra que je fasse automne. Pour automne, il me faut un spider et des leaves. Les leaves, est-ce que j'en ai? Yes. 1, 2, 3. Ah, je reviens.
Alors, donc il me faut une spider, j'avais dit. Et bah, il faudra les runes Fire Air. Fire Air. Ok. J'enlèverai la terre après. Voilà. Hop, donc on aura déjà la première. Bon appétit à ceux qui mangent. Moi, perso, je vais manger. Bon, là, du coup, je finis ma timing de bottle vite fait et après, je décale sur Mario, la porte du millénaire. Donc on a la Rune of Winter qui est là. Là on aura la Rune d'automne. Pour Spring c'est Fire, Water, 3 saplings et de la Winter. C'est gentil de pas me quitter ça. Donc Winter, Fire, Water, si j'ai bien vu, c'est ça, hein. Et 3 saplings. Voilà, donc là on a automne. Là on est en train de faire spring. Et pour Summer, ce sera du sable, Slime Ball, alors Earth. Et Air. Slime Ball et Melon. Alors, normalement, j'ai tout. Melon. Slime Ball. Il me faut du sand. Perfect. Ah, par contre, ah oui, c'est quand je passe sur mon arc à chaque fois, hein. Spring et après ça ce sera juste avec une cloque. Cloque ça j'avais anticipé, j'avais déjà fait le craft de la cloque. Ça je peux les ranger. Ça j'en ai besoin plus qu'une. Là il me faut juste ceci. Nice. Et là, je fais ma time in a bottle. Ça va être génial. J'anticipe. Pour quand j'aurai les machines. En fait, faut que je prévoie à l'avance pour pas me faire avoir, hein. Nice.
Ah, y'a avait time une bottle. Ça, c'est coolasse. On va aller récupérer ça. Et ça. Oh, j'ai droit à un Blacker Lotus. Ça, ça va être bien pour quand je vais faire le portail d'Alfheim. Ça, ça va être cool. Ça, c'est nickel. Ça, ça fait hyper plaisir. Maintenant, il me restera... Du coup, j'ai déjà tout. Hein. Non, il me faut la rune of mana. Ouais, elle va être hyper facile à faire. Mais ça, je la ferai la prochaine fois. Là, je vais décaler sur Mario. Et je laisserai tourner le modpack pendant la nuit. Je le laisserai tourner quelques nuits pour les Creative Essence. Enfin, pour, pour avoir les Ilsenium et faire la Creative Essence. Comme ça, si vraiment ça fonctionne, le Creative Storage, là, si ça fonctionne vraiment comme Functional Storage, parce qu'avec Functional Storage, quand on a le créatif, le truc d'ajout en créatif, bah, dès qu'on le met dans le drawer, et bah, en fait, ça remplit à l'infini les items, en fait. Alors du coup, par contre, je vais couper the music. Ah, il va falloir que je branche ça, par contre. Trop. Là, je peux pas vraiment tout bouger. Alors, peu importe dans le sens que je le mets, il me l'accepte pas là. Ah, je me trompe peut-être de port en fait. Attendez, je vais. J'ai essayé de mettre le port manette dans un câble HDMI. Ça fonctionne moins bien. Oh, le bleu que ça me fait, la prise de sang que j'ai eu là. Ça fonctionne tout de suite moins bien. Tac. Alors, je vous le rappelle, hein, là, moi, je fais sur émulateur, mais je possède l'original. Je vous rappelle que l'émulation est autorisée quand on possède l'original. Sinon, c'est interdit. Et c'est aussi pour ça que je vous donnerai jamais de lien pour télécharger quoi que ce soit. Parce que voilà quoi. Moi, c'est juste que là, je le fais sur émulateur parce que c'est plus simple pour moi. Plutôt que d'installer la Switch avec le Camlink, tout ça, machin. Là, j'ai l'émulateur, il est sur le PC, c'est rapide. Vite fait, bien fait. Par contre, je vais faire ça. Alors du coup, pour ceux qui regardent, on va finir vite fait. Pour ceux qui regardent la fin de cette rediff YouTube, là, je vais couper le rec et je vais lancer sur Paper Mario, la porte du millénaire. Donc, merci d'avoir suivi.